Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction le Japon, mais avec notre cher duo coréen, les TVXQ, pour leur tout nouveau single japonais qui se nomme Lime et Lemon. Ça va être quelque chose de très été, je le sens. Mais avant de blatter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mélimélo, roulement de tambour, et j'ai envie de te dire, générique. C'est par hasard que je suis tombée en fait sur leur vidéo via mes suggestions YouTube, et j'ai envie de te dire tant mieux. C'est vrai qu'ils sortent beaucoup plus de choses japonaises que de choses coréennes actuellement. J'espère qu'ils vont nous revenir en tout cas avec un comeback coréen cette année ou pas. Après, j'aime beaucoup leur comeback japonais, ils font vraiment de trucs très et canon. D'ailleurs, je vous mettrai ici le lien de ma précédente réaction au comeback japonais au groupe. Je pense que c'était japonais et pas coréen. Déjà, la miniature, tu vois, quelque chose de très rosé, de très festif. Je pense qu'on aura quelque chose de hyper estival pour marquer le coup, le début de l'été, ce qui est logique. Déjà, rien que le titre Lemon, moi j'adore le citron. Je peux bouffer du citron dans toutes les sauces. Comme ça, vous savez encore un truc en plus sur moi. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Mélimélo en ce mardi 20 juin et vous avez passé également une bonne journée. Moi écoutez, à part hyper fatiguée mais quand même moins que hier, je suis quand même relativement de bonne humeur. Ouais, j'ai encore mal dormi cette nuit mais avec la chaleur ça n'aide pas non plus mes insomnies. Mais je suis relativement bien, j'ai envie de te dire, c'est le principal. Allez, c'est parti, let's go donc pour Lime and Lemon. D'ailleurs ici j'ai pris spa citron avec du gingembre, c'est trop bon. Oh, tu es toujours au canon, hein, you know. Encore desséché. Il est super chouette le néon avec le titre de la chanson. Tu veux explorer les extérieurs secs? Ouais, tu vois que toutes les plantes sont un peu secs. Je veux de la pluie. Oh. Ok, on a un truc vraiment très rétro, disco pop, hein, encore une fois. Très festif aussi. Un peu... électro, oh, c'est plus sexy ça. Iiii, Changmin. Je sais que TVXQ a toujours eu... À un moment donné, quand ils étaient 5, hein, ils ont vraiment été hyper connus en Corée, etc. Hein, vraiment cette deuxième génération, etc. D'ailleurs, moi j'ai découvert la K-pop en 2003-2004 grâce à eux. Mais tu vois que leur carrière est beaucoup plus imposante au Japon. Même encore maintenant, c'est incroyable quoi. Ouais, la chanson est vraiment chouette. Même la Corée est chouette. Bon, t'as quelques plans individuels, mais c'est plus vraiment un MV performance vidéo qu'un MV, tu vois. Bah, notre petit Changmin. J'ai envie d'un cocktail maintenant. Mais l'alcool avec cette chaleur.
Oh, je veux le pantalon rose. Quoique le vert est pas mal aussi. Par contre, la chemise, je préfère celle qui était par là que par là, avec ces carreaux de vitraux d'église, là, non. Alors, on a vraiment une chanson qui fait très estivale et assez écrasante pour le coup. Pardon, on a vraiment une atmosphère qui est très ouverte, très rafraîchissante, qui est pas du tout ennuyeuse. On voit vraiment que ça sent l'été, la danse est super chouette, le visuel est encore une fois hyper sophistiqué, rien à dire. De ce que je peux comprendre officiellement, peut-être que au lieu d'un single, parce que je vois que le single est déjà sur les plateformes, on aura peut-être d'autres chansons. Il parle d'un single le 28 juin. Donc on verra bien le 28 juin s'il y a quelque chose concrètement ou pas. Je ne sais pas. J'ai pas trop compris au niveau de l'article que j'ai pu voir hier, en tout cas. J'aime beaucoup ce côté hyper coloré, ce côté encore une fois été avec tous ces cocktails, même ces transats, les ballons, il manquait plus que la piscine, j'ai envie de te dire. C'est comme s'ils attendaient que la flotte arrive, tu vois, parce que tu voyais une sorte de ballon, c'était super chouette. De ce que j'ai pu voir, apparemment, dans un article, ils disent que cette chanson, c'est une thème après cette catastrophe de ce corona et que cette année est vraiment un été spécial par rapport à ce qu'on a pu traverser avec le corona les années précédentes. Donc je trouve ça assez sympa pour marquer le coup. La chanson est assez pop, rétro, même disco, je dirais, même un peu électro. J'aime beaucoup. Elle est très dynamique. Tu écoutes ça, tu as tout simplement envie de siroter un cocktail au bord de la piscine ou la plage et tout simplement kiffer ta life. Donc j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Au niveau du single, il est composé juste de ce titre-là. Et au niveau, ben je vois que sur iTunes, il est déjà disponible depuis le 11 juin. Ok, d'accord. Et au niveau du single, on retrouve vraiment ce côté acidulé, citronné, tout autour d'eux, avec ce côté jaune, l'eau. Vraiment ce côté hyper esté et estival. Tu vois les deux membres l'un derrière l'autre qui regardent tous ces citrons et l'eau peut-être voler autour d'eux. La police utilisée est assez sympa. Une jaquette très simple mais qui rentre carrément dans la thématique de cette chanson, mais du MV également. Et vous mes chers Mélimélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié ce nouveau single de notre cher duo TVXQ. Est-ce que vous avez apprécié également ce côté très estival, été, ce côté cocktail à piscine et des citrons qui virevoltaient? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara!